Bien sur Solidaire d'abord, cette émission que Fréquence 7 nous permet toujours de diffuser. Hein. Et donc, on a évidemment plein de choses à dire en ce moment, surtout avec cette mobilisation contre les retraites, contre la réforme des retraites, hein, ou la contre-réforme des retraites, pardon. On va faire le point sur les émissions passées, on va faire le point sur les mobilisations, on va faire aussi un point sur les passe-droits qu'il peut y avoir de tous nos élus de cette grande République française qui, à des moments donnés, nous montre toutes ses limites. Et puis, si j'ai le temps, à la fin, on parlera un tout petit peu de l'éducation nationale. Mais bon, d'abord, le point sur les émissions passées. Alors, en fait, vous avez peut-être vu, compris, que émission après émission, on a essayé à chaque fois de montrer comment ce pouvoir néolibéral, depuis 40 ans, depuis un peu plus de 40 ans, puisque ça a commencé avec Thatcher en 80, même déjà Reagan, enfin, etc., nous ont amené à une confusion. On se retrouve à mettre en avant le pouvoir d'achat, et en fait, on oublie complètement le salaire. Et en fait, il y a une grosse différence entre les deux. Alors, on pourrait se dire, oh ben non, c'est le salaire qui donne le pouvoir d'achat. Enfin bon, c'est tout simple, en fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on parle salaire, on parle de monter les salaires, d'augmenter les salaires, et de donner vraiment de l'autonomie aux gens qui peuvent utiliser leur salaire comme ils veulent. Et donc, dans ces salaires, évidemment, il y a les cotisations sociales, il y a tout ça, il y a la part patronale, il y a etc. Il y a ce salaire différé qui permet de payer tout ce qui est service public. Hein. Et par contre, dans le pouvoir d'achat, il y a un truc complètement sordide qui se passe, c'est que ce pouvoir d'achat, bah, finalement, on va tous dans les supermarchés, on achète au supermarché, où, en fait, ils font des salaires contraints à tous les producteurs en leur prenant leurs produits le moins cher possible. Et en fait, on tire tout vers le bas et, évidemment, on ne finance pas les services publics. Donc, c'est deux modèles de société qui sont très, très différents. Et donc, à chaque fois que vous direz maintenant pouvoir d'achat qui nous est sans arrêt servi sur un plateau, sur tous les médias, pensez bien que vous êtes en train de servir, en fait, le néolibéralisme. Voilà, enfin, pour faire un résumé rapide sur les émissions précédentes que l'on a pu faire, les épisodes précédents. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler aussi des mobilisations, et peut-être pour éclairer ces mobilisations, la première chose, c'est, on va vous mettre ce que en fait un humoriste qui s'appelle Naïm. Alors, il y en a qui se demandent pourquoi ils taxent pas les milliardaires. Ben, c'est simple, parce que d'un côté, il y a Macron, de l'autre, il y a Bernard Arnault, et entre les deux, il y a un fouet et une laisse. Oui, je vais la faire, la réforme. Je vais la faire, nana. Et pour moi, elle est là, la solution, hein, pour les retraites. Hein. Bernard Arnault, 213 milliards. J'ai son adresse. Donc on fait une manif. Enfin, faut pas dire qu'on fait une manif, parce que quand tu fais une manifestation, faut demander d'abord l'autorisation. Parce qu'en démocratie, quand t'es pas content, faut demander l'autorisation. Toi, tu dis, s'il vous plaît, on peut être pas content? Non. Ah, bon, ben, on est content, du coup. Merci. Range les banderoles, on est content. Donc on dit, c'est pas une manif, on dit, on fait une balade, petite balade. 2 millions de gens, toc toc toc, la politesse, il ouvre, salut nanar. Viens chercher les milliards. Oh Manu, je t'avais pas vu. Pas trop serré? Je peux essayer moi? Oh, ça marche. Voilà, alors c'était Naïm, et c'est toi Amalia qui a voulu qu'on mette cette représentation sonore de Naïm. Tu peux peut-être en parler très rapidement, Naïm. Ben Naïm, c'est un humoriste qui est en train de monter, hein. Je crois que de plus en plus de personnes le suivent, et voilà, il a cet angle qui est la politique, et voilà, moi je trouve qu'il est très drôle. Ouais, il est très drôle. Là, il a dit à un moment, peut-être vous n'avez pas compris parce qu'il le dit un peu rapidement, il a dit, il y a entre Bernard Arnault et Macron, il y a un fouet et une laisse. Hein, et donc, il dit après, à la fin, il dit, je pourrais l'essayer, moi, et il essaye le fouet, et oh, bah ouais, bah, bon, enfin, puis ça se termine là-dessus. Ouais. Et il dit,
entre autres, que les manifs, il faut demander la permission pour pouvoir faire une manif quand même dans notre grande démocratie. Mais il parle de LVMH, quand même, LVMH, 14 milliards de bénéfices en 2022, plus 17% quand même par rapport à l'année précédente. Hein. Donc on voit que le quoi qu'il en coûte, il en coûte un petit peu moins à certains qu'à d'autres, hein, en tout cas. Hein. Il y en a qui en ont bien profité. Il y en a qui en ont bien bien profité. Il faut savoir quand même que ce monsieur Bernard Arnault est quand même très... Il a plein de solutions très arrangées, arrangeantes avec l'État, hein, puisqu'il est imposé qu'à 18% de son salaire. Et il faut savoir que la tranche 18%, c'est celle des gens qui gagnent 150 000 euros par an. Et lui, il gagne en gros 10 fois, 100 fois ça, hein, je ne sais pas exactement. Enfin bon, il a une fortune colossale, c'est la plus grande fortune du monde. Hein. Mais quand il a été poursuivi par Fakir, oui, parce qu'il avait payé Squarcini pour faire une enquête, et il avait infiltré Fakir, le journal de Ruffin, ça a été prouvé. Et pour que l'affaire s'arrête là, il a donné et il a proposé 10 millions d'euros pour qu'on en arrête l'affaire. Donc 10 millions d'euros, voilà. Tu vois, tout s'achète en France. Voilà. Hein, oui, maintenant, oui, on est quand même dans ça. C'est quand même une jolie somme coquette. Quand ouais, même. Ouais, ouais. Alors, d'autre part, évidemment, que aussi, il a des dividendes, ce monsieur. Hein. Et sur les dividendes aussi, il y a des arrangements, tu vois. Voilà, c'est-à-dire, il paye pas trop d'impôts sur les dividendes parce que c'est Bernard Arnault. Non, quoi. Oui, puis il va partir à l'étranger après. Ah, attention. Oui. Ah, oui. Et puis, il offre du boulot. Ah, il offre du boulot. On n'est pas le deuxième milliardaire du monde après s'il partait. Oh, alors là, on perdrait quand même quelque chose. Alors, dans le même sujet, le temps de travail entre le début et la fin du XXe siècle est passé de 3000 heures par an par personne à 1500 heures. Donc il y a eu vraiment des progrès hein, au niveau de la liberté du temps des travailleurs. Mais la production, dans le même temps, a été multipliée par 40 dans le XXe siècle, au cours du XXe siècle. Donc à qui et à quoi ça sert tout ce pognon qui a été dégagé, toute cette productivité qui a été dégagée, si ce n'est normalement à nous payer quand même un minimum de retraite quand même. Hein, la mobilisation à Aubenas a été de 8600 personnes le 19, elle a été de 10000 personnes le 31. La prochaine, je sais pas combien, on va exploser tout là. Hein. On verra demain soir. Ouais. Bon voilà. Alors on voulait oui, aussi. Parce que demain soir, il y a manif demain soir. Oui. Venez à l'Agora demain soir. Tu as raison. Demain après-midi, à 14h à l'Agora. De bien nous le rappeler. Alors on voulait parler aujourd'hui, Amalia, tu es venue aussi pour nous parler de tous ces passe-droits, de tous ces petits arrangements qu'il peut y avoir dont profitent certaines personnes, entre autres des ministres. Oui, c'est un peu un coup de gueule, hein, parce que c'est une lassitude, un dégoût, et que je pense partager avec beaucoup de monde. Et tout à l'heure, Michel et Denis, on a commencé à faire la liste de tous ces procès qui sont en cours et qui touchent des hommes politiques, et on n'arrivait plus à s'arrêter, en fait. Et c'est vraiment une généralisation de la malhonnêteté dans le monde des très hautes sphères politiques. Donc on a relevé, pour l'instant, plusieurs noms. Sarkozy, en ce moment, qui est soupçonné de corruption pour l'attribution de la Coupe du Monde du Qatar. Il y a Dussopt aussi, qui est menacé de procès pour favoritisme. Il aurait, là pour l'instant, il faut parler au conditionnel, il aurait reçu des tableaux en échange de l'attribution d'un marché. De la SOR. Hein. De la SOR. Exactement, d'un marché qui touchait l'eau potable, enfin le traitement de l'eau potable. Il y a l'affaire Mercier aussi, c'est une affaire d'emploi. Alors Mercier, tu peux nous développer, parce que moi sur les autres j'ai des éléments, mais sur Mercier je ne me souviens plus très bien. C'était un ministre ? Alors il était ministre de la justice de Sarkozy, et il a aussi été sénateur. Et quand il était sénateur, il a embauché sa femme et sa fille. C'est pas vrai, il a pas fait. Personne n'a jamais fait ça ici en France quand même. Pour un montant global de 87 000 euros. Ah quand même. Et donc sa fille, à l'époque où elle était censée être embauchée, habitait Londres. Elle n'a jamais mis les pieds au Sénat et elle n'a pas été capable de fournir le moindre document qu'elle aurait pu produire pendant le temps où elle était embauchée. Et pour sa femme, alors elle a justifié les 50 000 euros qu'elle a touchés en disant que c'était normal puisqu'elle représentait son mari aux kermesses et aux enterrements.
Voilà. Donc moi, je me mets à la place du juge, je me sentirais un peu insultée quand même, hein, par une telle. Je trouve même pas les mots. Oui, mais voilà. Habitué, les juges avec Balkany là, les a bien briefés Balkany. Donc il a été condamné quand même, hein, Mercier, à 3 ans de prison avec sursis, une somme d'argent et 5 ans d'inéligibilité. Oui, mais alors, Quel âge il a ? Voilà. 75 ans. Voilà. Voilà. le truc, c'est qu'ils sont inéligibles quand ça les arrange. Voilà. C'est-à-dire que si le mec, il est... Comme par exemple, en ce moment, il y a une affaire avec Ciotti. Hein. Pour l'instant, à mon avis, il ne va pas être condamné à l'inéligibilité, lui, hein, pour l'instant. Enfin, on va voir. Hein. Mais bon, il a été quand même entendu par les flics 2 fois à la fin du mois de décembre, là, le 19 et je ne sais plus combien, le 21 ou le 20 décembre. Et donc, sur le fait que bah, lui aussi, il y a des emplois pas clairs. De son ex-femme. De son ex-femme. Ouais, mais bon, c'est une ex-femme. Ouais. Ah, quand même. Oui, alors Ciotti, pour rebondir un peu sur Ciotti, il insulte, enfin il dit que le maire de Nice, Estrosi, son grand copain d'une époque, a dilapidé, a vidé les caisses et a mis la région Nice-PACA en déficit. Alors que quand c'était lui, avec son ex-épouse, profiter de largesse de Ciotti, parce que madame Ciotti à l'époque était secrétaire d'Estrosi, là il critiquait pas. Et maintenant que bah, il a plus rien et que c'est un concurrent sur la scène à l'air, ben voilà, ils essayent de lui mettre... Bon, il y en a plein hein, qui ont des grosses casseroles. Donc Le Pen et le RN, c'est à tous les étages, hein, aussi bien au niveau de l'Europe que plein d'élus au local qui se retrouvent au tribunal hein, quand même. Il faut pas passer à côté. Hein. Enfin, là, vous allez peut-être me dire « Ouais, mais c'est partisan. » Non, le mec, il est élu RN et il y en a plein. Renseignez-vous. Il y en a plein qui ont des affaires par-dessus la tête. Hein. Voilà. Je les nommerai pas tous, et puis j'ai pas forcément envie de les dénoncer comme ça, mais je trouve que voilà, ça va pas du tout. Bayrou, qui se retrouve, alors là c'est grand nom, hein, qui se retrouve avec 13 personnes quand même accusées de détournement de fonds publics, de complicité d'emplois irréguliers, comme pour les assistants parlementaires, pour les eurodéputés. Enfin, c'est fou quand même. Un mec comme Bayrou qui sans arrêt nous explique qu'il a plus blanc que blanc. Ouais. Mais quand l'affaire est sortie, il a démissionné de ministre. Ouais. Mais là, il est rentré par la fenêtre. Il est rentré par la fenêtre. Voilà. Bon, alors, il y a Fillon, évidemment. Alors, il y a plein d'affaires. Il y a Dupont-Moretti, il y a Castaner, il y a Abad. Hein, tu nous rappelais ça tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tout ça? Ben oui, mais je voulais dire qu'au-delà de toutes ces affaires, en fait, moi, ce qui me fait réagir, c'est l'impact que ça a sur nous, citoyens. Hein, parce qu'on éprouve tous un dégoût profond vis-à-vis de tout ça, et sur la démocratie. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de ronger, détruire notre démocratie. Et donc, moi, ce que je me disais, c'est que vraiment, il faudrait qu'on réfléchisse à un autre système de choix de nos dirigeants. Parce qu'on a un système qui amène presque automatiquement au sommet des gens qui ont tous le même profil, c'est-à-dire de gros égos, des gens qui parlent, qui savent parler, etc., mais qui n'ont pas les valeurs morales et humaines dont on aurait besoin pour vivre tous ensemble plus harmonieusement. Voilà. Ouais. Et ça, c'est peut-être un petit peu à tous les étages de notre société, d'ailleurs. Ça explique peut-être un petit peu aussi le fait que notre société étant tellement à mettre en avant le premier, le plus fort, l'élitiste, hein, voilà, que donc bah, elle est pyramidale et tout. Enfin, tout fonctionne ensemble. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on se retrouve avec des gros problèmes, par exemple, par rapport au sexisme. Hein. Moi, il me semble qu'il ne faut pas éluder la question de Quatennens, parce que là, on était en train de dénoncer... Voilà. Bon, voilà, il peut y avoir aussi des choses qui vont très très loin, là, avec quelqu'un qui représente théoriquement un parti qui se veut écologiste, féministe, etc. Et puis le mec, bon, bah, là aussi, il y a quelque chose de pas net. Alors... Moi, j'ai pas envie d'arriver à la polémique en disant il a raison à moitié, mais il a pas à moitié tort, etc. Non, il a dans le poste où il est élu à un moment donné, représentant quelque chose qui se revendique du féminisme. Bah non, donc
Comment ça se fait qu'il n'a pas démissionné? Je ne comprends toujours pas, moi. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et ouais. Au-delà des affaires et de ces personnes, en fait, c'est vraiment... Moi, ce que je voulais faire, c'est mettre la lumière sur l'aspect systémique. C'est-à-dire comment on fonctionne tous ensemble, comment les citoyens pourraient être impliqués, parce que là, au-delà du vote, ben, c'est fini, on est complètement dépossédé de tout pouvoir. Et comment on pourrait transformer tout ça? Mais évidemment, ça demande une réflexion très, très longue et profonde. Voilà. Sur les affaires, Denis, tu avais quelque chose encore à... Toujours sur dire, moi, j'en ai sur dire. Oui, ben vas-y, cause-nous en C'est pas que j'ai plus que lui qu'un autre, mais bon, il a en ce moment il a l'affaire de sa mère de Ciotti qui était à l'hôpital de court séjour, mais ça faisait 17 à 18 ans qu'elle y était. Donc ça représente une somme de plus de 530 000 euros qu'ils n'ont pas payé, qu'il aurait dû payer dans une EHPAD, parce que c'est l'EHPAD après, et qu'elle ben, a échappé, hein, c'est la sécurité sociale qui a payé. Donc quand Ciotti dénonce les gens, les profiteurs, les émigrés, les ci, les ça, qui profitent de la largesse de la France, alors que c'est faux, voilà. Donc je vous conseille d'aller voir Blast, le souffle de l'info dans une émission, c'est « Quelle époque formidable », on dénonce, le journaliste défonce Wauquiez, Ciotti, Enco, la France des vrais profiteurs, des vrais assistés. Dans ce reportage, là, qui dure 10 minutes, c'est très détaillé et on voit vraiment tout ce noyau là de LR là, qui essaye de tirer les marrons du feu tant qu'ils peuvent. C'est ces gens-là qui donnent des leçons à tout le monde. Hein. Bien sûr, ah, mais c'est les premiers même. C'est les premiers à donner des leçons. Alors là. C'est droit dans leur botte. Hein. Et donc, dans les LR, il y en a un qui est quand même au gouvernement, qui ne s'affiche plus pour vraiment LR, mais qui est jusqu'au cou, c'est Bruno Le Maire. Et son comportement, même en étant représentant de l'État, c'est-à-dire là, ce n'est pas à son compte personnel, mais ils utilisent l'argent public pour des choses qui ne sont pas nettes. Par exemple, il y avait des emprunts, on l'a dénoncé dans cette émission déjà dans le passé, à la suite d'une vidéo que tu nous avais fait voir, hein, Denis. C'est-à-dire que, en fait, en ce moment, la France a fait des emprunts dans les banques, et au départ, c'était des emprunts à 0%. Et puis, à un moment, ils ont fait des emprunts au taux d'inflation, puisque c'était avantageux, c'était à 0% aussi. Hein. Bon, même ça pouvait être un petit peu moins que 0%, donc c'était tout bénef. Et puis maintenant, bah, comme il y a une inflation, mais on continue à faire des emprunts, pas à 0%, mais au taux d'inflation. Donc en ce moment, on est en train de s'endetter un maximum. Et Bruno Le Maire, à un moment, il a carrément une phrase dans le genre « Bon, il faut bien faire vivre les banques ». Oui, mais enfin, Bruno Le Maire, il a vendu nos autoroutes et ça ne le gêne pas du tout. Hein. Ça n'a jamais empêché de dormir. Hein. Voilà. Il n'y a que lui qui trouve une bonne affaire. Hein. Alors, sur les autoroutes, figure-toi que quand même, il y a eu une étude de l'inspection générale des finances. C'est pas rien quand même. Hein. Cette étude a été menée de pair par le ministère de l'écologie. Et ils ont trouvé que si on faisait vraiment le ratio de tous les bénéfices que font les sociétés d'autoroutes, etc., normalement, le tarif devrait être baissé de 60%. Je sais pas si, moi, je me retiens à la table, je ne sais pas si tu imagines. Donc, hein. Et en ce moment, il augmente. Et Bruno Le Maire trouve ça normal. C'est lui qui avait demandé l'étude. L'étude lui a été donnée, il a fait comme s'il n'avait pas vu l'étude, et on augmente les tarifs. Voilà. La libre concurrence. Donc, si tu veux, même quand c'est en leur nom propre, ils foutent la main dans le pot de confiture par derrière, mais même quand ils nous piquent aussi les sous de l'État, par ailleurs, même à l'intérieur d'un ministère. C'est fou, quoi. Je trouve que le délire est complet, quoi. Oui, mais la députée Simonet, là, autrefois, elle a parlé, il va y avoir une enquête parlementaire sur les Uber Files. Donc, et qui c'est qui était ministre de l'économie à ce moment-là? Allez, Macron. Voilà. Mais Macron, tant qu'il est président de la République, il est intouchable. Ouais. Donc voilà, c'est plus complètement ces trucs. Parce que, ceci dit, Macron, il a du pognon ou il n'en a pas? Et finalement, on a l'impression à des moments qu'il n'a rien, non? Oui, mais si, il n'y a pas de souci. On ne sait pas où il est. Il y a plusieurs, les journalistes cherchent et cherchent. Ils n'arrivent pas. Donc il est dans les paradis fiscaux. L'argent qu'il avait touché à la vente de... qu'elle a vendu à Nestlé là, le lait maternité d'une entreprise américaine, il a touché, c'est des centaines de milliers d'euros.
Et ben, l'argent, voilà, il était chez Rothschild à l'époque où s'est passé l'argent. Mais les calculs des journalistes, c'est qu'il aurait dépensé, entre le moment qu'il a touché l'argent et qu'il a été obligé de déclarer son patrimoine, il aurait dépensé un SMIC par jour. Donc, irréalisable. Donc, où est passé le pognon ? Eh ben voilà. Ouais, d'accord. Voilà, mais on trouvera un jour, on saura un jour que Macron nous a entubés. Enfin, moi, je suis sûr qu'il nous entube, là, tout ça avec un grand sourire. Enfin, bon. Est-ce que vous savez ce que c'est la fluence ? La fluence. Alors, on a fini par lâcher le mot tout à l'heure. C'est, autrefois, c'était la fluidité. Alors, c'est à l'intérieur de l'éducation nationale que ça se passe. Et donc, en fait, il y a un monsieur, une grosse pointure, qui s'appelle Roland Guagou, et qui est un monsieur vraiment en référence, qui étudie comment les enfants apprennent à lire, etc., et qui est vraiment la référence française, et qui, en fait, dénonce la façon dont les réformes Blanquer se sont faites, sur le fait que on fait maintenant des études pour savoir comment nos petits bambins progressent à l'école. Et donc, en fait, on étudie l'affluence. Alors, l'affluence, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est le nombre de mots qu'un enfant est capable de lire à la minute. Alors, en fait, il faut savoir qu'un enfant au CP lit à peu près 50 mots à la minute. Et quand il arrive en sixième, il lit 120 mots à la minute. Donc, très très bien, tout ça, bon. Alors, autrefois, les instits... Amaya, tu me... Hein, c'était la fluidité. La fluidité, je te confirme. Donc c'était la fluidité, et évidemment dans la fluidité, il y avait aussi la compréhension minimum quand même du texte, la prosodie comme on dit, c'est-à-dire être capable d'articuler un texte en y mettant un peu le ton, montrant qu'on l'a un minimum compris. Mais non, dans l'affluence, il n'y a pas besoin de comprendre, du moment que tu dis beaucoup de mots. Je sais pas si tu captes vraiment, c'est-à-dire que le monsieur Guagou en question, il dénonce le fait que dans cette réforme amenée par Blanquer, entre autres, maintenant on étudie combien les enfants sont capables de déchiffrer de mots à la minute, mais on n'en a rien à foutre qu'ils comprennent ou pas ce qu'ils sont en train de dire. Hein. C'est pas un problème. On ne le teste pas. On ne teste pas ça. On teste le nombre de mots, c'est-à-dire on est dans une société avec un petit comptable qui est à la tête de cette société et ça se répercute à tous les étages. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là en train de compter le nombre de mots que l'enfant dit et ils n'en ont rien à foutre qu'ils comprennent et qu'ils ne comprennent pas. Enfin, c'est pas les instituts qui en ont rien à foutre, c'est les inspecteurs. C'est, alors tenez-vous bien, c'est les gens qui viennent, qui sont cabinet conseil en psychologie cognitive de Blanquer. Et donc ces gens-là, ils sont, c'est presque comme si la lecture était devenue un acte médical. Donc ils sont là en train de dire, voilà, je constate que l'enfant lit, etc., comme ça, comme ci, comme ça. Donc c'est dramatique. Je trouve que ça montre bien comment est notre société. Mais je suis en train de te manger ton temps quiz. Alors, pas du tout, pas du tout. Quiz, oh, mais... on a le temps pour le quiz. Donc voilà, le quiz, c'est « Je me présente sous plusieurs formes. J'ai au moins... deux couleurs de base. Je suis présent dans l'alimentation. Je suis issu principalement de deux végétaux. Il y a peut-être un ami comme un ennemi. » Voilà. D'accord. On n'a pas complètement fini l'émission. Tu avais encore un sujet, Denis, non ? Ah oui, des sujets. J'en avais plusieurs. Mais... Oh là là, pêcheur. Pêcheur, les sujets, il y en a un. Donc, je vous ai... Le scandale de la Coupe du Monde. Alors, la Coupe du Monde au Qatar... Il y a eu le scandale des travailleurs népalais et autres qui venaient travailler au Qatar. Ils ont annoncé au moins 6 000 morts. Donc c'est quand même quelque chose. Déclaré. Donc après, ceux qui rentraient qui n'étaient pas en forme, ils ne sont pas comptabilisés après. Donc il y avait au moins 6 000 morts, ça a semé un scandale. Macron, il a cité là-bas que c'était magnifique, que c'était bien organisé, que le stade était magnifique, joli et tout. C'est vrai que le Qatar a du gaz et du pétrole. Donc voilà, il faut leur passer la brosse. Et là, scandale en France... Pour les Jeux Olympiques à Paris, il s'est révélé que les inspecteurs du travail sont intervenus. Et qu'est-ce qu'il y a ? Mais des travailleurs sans papier qui travaillent pour les Jeux Olympiques en France, qui travaillent sans papier et non déclarés, évidemment, dans toutes les conditions déplorables, avec des heures, des journées à rallonge. Donc, c'est bien beau d'aller critiquer le Qatar, c'est tout à fait normal, c'est magnifique, mais il faudrait quand même qu'on balaye un peu devant notre porte et qu'on fasse un peu le ménage dans tous ces sous-traitants, des sous-traitants et des re-sous-traitants qui négocient des prix à râler pâquerette et qui, je sais pas s'ils font du bon boulot, je sais pas, j'espère, mais en tout cas emploient des travailleurs sans papier et dans l'égalité complète avec payé avec un lance-pierre.
Et c'est toujours les communautés les plus pauvres qui sont là à trimer pour les beaux yeux du monde qui va venir en France voir les Jeux Olympiques. C'est lamentable. Allez, en tout cas, voilà. Bon, il y a des choses bien comme aussi qui se passent en France. Il faut pas, bon, mais voilà, on les cherche un peu, hein, des fois. Hein, à bientôt. À bientôt. Au revoir.